Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Fredo. J'espère que vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Jurassic Park 3. Dans le dernier épisode, nous avons échappé à des... J'ai oublié le nom. À des raptors. Nous nous dirigeons vers la sortie. C'est parti. Et on est toujours parti pour rechercher le petit Eric. Alors, on passe par là. Chut. Hop là. Ah. Peut-être quelque chose à faire là. Ah, évidemment. C'est dur. Aïe, pour couper tout ça. Et c'est parti. Avec Monsieur ADN, on apprend en s'amusant. C'est vrai. Putain, vous en rendez compte, un brachiosaur peut dépasser 30 mètres et peser plus de 100 tonnes, quoi. Bon, heureusement que ça n'existe pas de nos jours, hein, je vous le dis. C'était un piège. Ils nous ont tendu un piège. Eh ouais. Et donc, c'est parti. Et donc, si vous voulez savoir qui est ce personnage, c'est dangereux, mais je sais où on et voilà, Eric Kirby. Alors, je récupère la pipette là, pardon. Hop. Attendez ici, je peux me faufiler. Après, j'essaierai de la tirer. Ok. Faites comme ça, hop. Elle devient invisible. Du moins aux yeux du raptor. Allez. Un sandwich en saucisse. Enfin, une voiture en saucisse, je veux dire. Faut surtout pas qu'on s'arrête. Non. Tu m'aurais dit le contraire, je t'aurais pas cru.
Ouais, casse tout, Hélène, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, il faut que vous l'accrochiez à cet arbre. Mais écoute, Eric, tu te tais? Je suis pas con. Allez, mon petit Eric, tu te faufiles. Je vous trouve un moyen d'escalader. Allez, plus vite! Déjà, tu me donnes pas d'ordre, gros. Je te le dis direct. On va se rencontrer. Merci. Moi, j'ai vécu l'aventure Jurassic Park, gros. Allez, hop, on se faufile. Hop là. Oh, pile. Oh, ça doit faire mal. Ok, il est parti. Je sais. Encore un raptor. Il y a plein, on se faufile. Bien évidemment, avant de faire un trail à une grande, hein. On va péter un peu le tout. Il est malade. On peut pas le laisser comme ça, les raptors vont le dévorer. Et alors? C'est loin de la jungle, mon gros. Tu manges bien de la viande, toi, non? Tu te dis pas, putain, le cochon, là... Cochon, je vais le sauver, parce que sinon, on va le bouffer, quoi. Mais si on sort mangeant bon, bah, et, c'est bonne nature, gros. Oh, magnifique, allez, c'est parti, on casse tout. Pas de pitié, moi. Et faut tout casser dans la vie. C'est comme ça. Ah chiche, on ouvre pas Alan. Salaud. C'est vrai. Bon, je crois que là j'ai fait le tour. Bon allez, on va aller voir Alan, allez. On n'est pas méchant. Allez Alan. Alors qu'est-ce que t'as trouvé? Il faut déjà lui donner une banane, j'ai vu une banane.
Moi j'ai la banane. Barre céréale et une carotte. Bon, barre céréale forcément là-bas. Ah. Allez, donne la barre. Merci. Et la carotte, je sais où elle est. Ça va, mon petit? Tu manges bien? Et... Demandez ce que c'était. La carotte est là. Allez, on va donner la carotte. Mange-moi la carotte. Tiens, c'est pour toi. Baston. Non, c'est pas toi le jeu. La cachette est juste derrière ce trou. Ouais, faut aider un peu le PNJ parce que bon. Il va pas se sortir le petit. Tac. Hop là. On y est prêt. Ouais, on y est presque, ouais. Décider de gagner des pièces. Hein. La cachette est là-bas. Hein. Après le pont. Hop. Bon, Alan, fais pas semblant. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Vous savez qui je suis? Oui. Tes parents sont là. Ils sont à ta recherche. Vous êtes Alan Grant. Qu'est-ce que vous faites ici? Tes parents m'ont invité à faire ce voyage. Faites gaffe avec ça. T-Rex, ça éloigne sans problème les petits, mais ça attire un très gros avec un aileron. Écoutez, les compteurs. C'est parti. Les Compsos sont pas bien méchants quand ils sont tout seuls. Mais en groupe, c'est votre histoire. Heureusement, ils ont peur du pipi de T-Rex. Ou alors, c'est juste qu'ils aiment pas l'odeur.
Ça peut être les deux. Allez, hop. Dans leur face de grand-mère. Encore des compsos. Casse-moi ça. Voilà. Magnifique. C'est dans cet épisode-là où il y a une vue que j'adore énormément. De toute façon, vous allez la voir. Ouais, il y en avait d'autres. Là-bas, il y en a d'autres aussi. Oh, je l'avais pas vu. Bon, éloigne-les là. Voilà. Comment je leur défonce la gueule? Voilà. Allez, creuse. Voilà. Voilà ce que je voulais prendre. Bon, dégage, Eric. Voilà. Tu laisses tonton prendre ça. Oula. Ouf. Ouais, ouf. You touch my tralala. Ah oui, je l'ai pas vu. Je vais dire, putain, il a peur des serpents maintenant. Non, non, c'est pas des serpents qu'il a peur. Je l'avais pas vu. On récupère la pièce bleue quand même. Voilà. Et on va se retrouver avec Alan après. Allez, mon petit Eric. Chaque pièce est importante à prendre. Bah écoute, viens. Oh putain, je les ai pas eu.
Tu n'es pas Billy. Bon, allez, on va être mignon, on va faire l'échelle à Wedecker. Ouais, j'ai plus de pièces là. Alors. Sa petite vue là, j'adore, je trouve, elle est pas mal quand même. Oui, c'est un bateau. Échoué sur la berge. Il avait en état. Écoutez. Quoi? C'est le téléphone de mon père. Maman! Papa! 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 Maman! Eric! Eric! Comment as-tu su que nous étions ici? Le téléphone! C'est stupide jingle de ton magasin! Je ne l'ai pas. Je l'ai prêté à Nash. Il devait l'avoir sur lui quand... Eh ouais. Eric Kirby. Alors, voilà. Trois mini kits. Eric Kirby déguisement. Marc Degler a déverrouillé. Ellie Degler a déverrouillé. Charlie Degler a déverrouillé. Transporteur de chasseurs a déverrouillé. Et pour ceux qui se demandent qui est Ellie Degler, c'est simplement Ellie Sattler. Voilà, pour ceux qui veulent le savoir. Parce qu'elle s'est mariée, elle a eu un gamin. Donc voilà les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode 4, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve demain pour le dernier épisode de Jurassic Park 3. Restez chaud patate, bye bye.